Yep, mes loulous, c'est tonton Tommy qu'on est sur Arc et je suis en train d'enregistrer une vidéo assez exceptionnelle depuis le temps que je joue à Arc, que j'ai pas fait souvent. Et là, j'ai deux femelles T-Rex en train d'être apprivoisées en même temps. À m'enfoncer dessus, mais je suis équipé avec les fléchettes tranquillisantes améliorées. Du coup, deux balouses et ça fait dodo. Nickel, 80% pour celle-là. L'autre, ça va suivre. Allez! Ah, elle est tellement contente qu'elle m'en a chié une bouse monumentale. Tac. Je vais te mettre un petit point de vie tout de suite. Tac. Allez, suis-moi ma belle, pédalons tout doucement parce qu'on est sur un pont. Ah bah l'autre aussi est servi. Parfait. Allez, c'est parti. Petite balade, on revient en arrière. J'ai positionné à un endroit stratégique. Ah par contre, toi je t'ai pas mis de point de vie. Le niveau 8 là. Ah, je suis pas dessus. Trop haute. Encore trop haute. Putain. Voilà, merci. Tac, 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 tac. Tout de suite, vie. Je peux tomber deux. Allez, hop. Ouah, c'est content tout ça. Hein. Bon, je vais peut-être retirer mon gun parce que si jamais je tire par inadvertance sur un de mes T-Rex, je suis un peu dégoûté. Allez, on y va à pied. Et si on nous fait chier sur le chemin, faites-nous plaisir. Et faites-vous plaisir surtout. Voilà, on a interdit hors d'écrou, on a l'impression que je vais me faire bouffer, tu sais. Donc je les emmène à un endroit stratégique parce que comme ça on les retrouvera facilement. Ah toi, je t'aime pas, toi. Ah oui, bon. Ah, c'était bon, au moins tu t'es régalé. La grotte est toujours pas là, je croyais qu'elle était plus proche. Il faut croire que non. Ça va être juste après cette arche-là. Par contre, j'ai toujours peur quand il passe dans la lave, mais... Je crois que ça leur fait rien. J'espère. Ouais, ça va. Ouais, c'est ça, fait tomber les arbres et tout. Il n'y a pas de souci. Ouah! Super acquisition ce soir. Surtout qu'en plus, je me suis chopé aussi 4... 4 comment... Mégalodon. Pour qu'on ne galère enfin plus jamais sous l'eau. Allez, on y est presque, les copains. Voilà. Alors, je me souviens plus si c'est en fait un mâle ou une femelle. Oh non, il y a des petits cœurs, il y a des petits cœurs. Donc, il y a deux femelles pour toi que je te ramène. Eh hey. Merci qui? Attendez, ça c'est la nuit, j'aime bien regarder. Avec la tête de mes T-Rex et tout, c'est magique. Nuit que j'ai accéléré off course, vu qu'on ne voit que Chi pendant la nuit. Allez, pas bouger tous. Je pourrais presque lancer la reproduction, mais je vais attendre les copains pour ça. Les petits loots là derrière? Allez. À la base, j'étais venu là pour de la chitine, de la kératine, mais. Du coup, j'ai été détourné par deux T-Rex. Tiens, tiens, tiens. Tu t'en occupes, s'il te plaît? Faut que je fasse gaffe que...
Oh, t'as bien bossé, là. Et hop. Très bien. Ça va, tu fais pas dodo, j'espère. Parce que moi, je suis à deux doigts quand même. Ça devrait passer vite. On va vérifier ça tout de suite. Torpeur. Non, ça redescend. Ça va. Et c'est fait agresser quand même, hein. Bon, j'en suis où de ma chitine et ma kératine? J'ai l'impression que c'est pas moche quand même. Ouais, ça commence à être bien. Et là, c'est la nuit. Ça pue un peu du fion. On va s'éclairer un petit peu. Surtout que vraiment, le coin, il est chaud, quoi. Ça, faut pas le sous-estimer. Rien que les titanoboas. Oh, tiens, salut, toi. Dors. Bah non, tu dors pas parce que t'es mort! Pardon. Les instincts de prédateurs qui surgissent avec ce jeu. Ah ouais, que dalle. Je crois que c'est un scorpion aussi, mais je suis pas sûr. Ouais, c'en est un. Viens à moi. Boum! Allez. 600 de kératine et de chitine en deux coups de cuillère à peau. Et quoi, toi? Non. Les petits pas dangereux, je laisse. Parce que je suis magnanime. Alors, rien par là, rien par là. Oh, c'est vide, quoi, c'est triste. Bon, au moins, il y a du loot. C'est quoi, toi, au fond, ça? C'est un petit trissé. Enfin, petit, je me comprends. Oh, tiens. Anesthésie gratos. Le reste, on laisse. Dire l'autre, ça ne sert à rien. Alors là, on a une petite vallée. Oups, Scorpinou. Juste en bas. Est-ce que je vous excite, les gars? Oh, c'est le perfect. Alors là, ça chiffre trop bien. Cette île est parfaite. Quoi, tu les as bouffés les autres? Bon, attends, attends, je vois pas. Il me les a bouffés? Ah, il me les a bouffés. Bon, bah, bouffe-le, bouffe-le. Allez, allez, allez. Ah, tu t'es pas trop fait piquer, mon copain? Parce que quand il se fait endormir, par contre, c'est la galère. Ouh, c'était juste. Oh non, non, ça monte. Est-ce que ça redescend? Oh, oh, c'était juste. Ah ouais, non, mais quand il s'endort, au secours, quoi. Il met deux plombes à se réveiller, c'est infernal. C'est vraiment le truc dans le coin qui te fait galérer. Alors, surtout qu'il y a des titanoboas, c'est la même, et c'est même encore plus violent. On va prendre un peu de hauteur, on va arrêter de faire le kéké, de se croire tout puissant, hein. On va se détendre. Punaise, on voit rien alors. On ne voit rien. Et bon, encore une fois, la récolte a été bonne sur cette île. C'est un truc de fou. C'est trop bien, c'est trop pratique. Et ça rapporte gros. No one else? Peut-être monter juste au-dessus. Hein.
Qu'est-ce qu'on a là? Un tricé tout excité. De l'argent de Thalys de mes deux. Dire qu'avant c'était mes potes. Et puis finalement qu'on a trouvé le moyen que le pteranodon puisse porter plus, ben c'est beaucoup plus maniable, beaucoup plus rapide. Y a pas photo. Y a pas photo. Bon, ça va, je suis plutôt content de ma petite récolte. Je suis plutôt bien fourni, je pense qu'il va falloir qu'on rentre à la base. Et donc nous avons en tout et pour tout 4 tyrannosaures. Hein. Parce qu'il y en a un en bas sur la plage qu'on avait trouvé aussi. Qui est pas moche non plus. Donc ça promet des accouplements bestiaux. C'est le cas de le dire. Oh, mais c'est pas dans ces roches-là qu'on trouvait du soufre. Oh, attends, ma petite poule, là, j'ai peut-être de trouver quelque chose de puissant. Attends, attends. Oh là, les frises là. C'est qu'il y aura une grotte dans le coin. Souvent, les frises comme ça, c'est le cas. Hein. Voyons voir. Oui, du soufre, mes potes. Du soufre, mais en veux-tu, en voilà, en veux. Oh, mais il faut que je note ça. Je commence à prendre des notes là dans le coin. Alors, voyons voir. Coordonnées. J'ai mon petit calepin. Du soufre. Je sais plus pourquoi on s'en servait du soufre, mais je crois que c'est pour apprivoiser certaines bestioles. Il y a un truc au fond, ça a l'air trop strange, c'est quoi? On dirait un T-Rex, non? Oh, attendez, on va aller voir. Alors, soufre dans mon petit carnet, voilà. SOU2FRE. Tac, alors, 72,7. Et l'autre, 88,9. Je suis un vrai explorateur. Genre, mon petit carnet, on dirait celui de Sean Connery de Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Alors, ah, par contre, du coup, ça a repopé sur moi, faut que je tape. Pardon. Je me libère. Ah, et puis il y a du gaz condensé en plus. Je me demande si c'est pas pour une combinaison anti-radiation ou anti-machin, je sais plus. Ça, on peut pas péter. Ok. Ça, on peut. Ça, on peut. Ah non, mais je vais faire le plein, c'est très intéressant ça. C'est quoi ces caillasses aussi là? Ça se pète pas. Décor. Ok. Je vais pas m'énerver. Par contre, ça c'est pas cool, ça, ces bestioles-là. Mais c'est des espèces de moustiques à la con là. Du coup, je laisse mon terrain ici. Ouais, juste à côté de cette grande tour de soufre là. Qu'est-ce qu'on a comme bestiole là-bas là? Viens pas vers moi, là-bas. Si, viens vers moi. Non. Quoique. Si. Ah si. Attends. Fais trop de bruit, tu m'énerves. Tu me stresses. Voilà. Tu m'as stressé. Surtout peut-être de la chitine, je prends, c'est gratos. On dirait bien du T-Rex encore là-bas. Hein. Attends, attends, attends. Mais qu'est-ce qu'ils se font? Ils s'énervent sur quelque chose? Ça se bastonne? En tout cas, ils sont un peu keblos. Je pense que je vais en profiter. Ah, ils ont l'air trop beaux en plus. Allez, poum. Et une. Bah, désolé les gars, hein, là, vous êtes bloqués, j'en profite. Hein. Est-ce que je vais refaire un doublé ce soir? C'est incroyable. Putain, ils font dodo tous les deux. Oh! Mais j'y crois pas la chatte que j'ai ce soir. Par contre, pourquoi je peux pas? Parce qu'ils sont coincés dans le rocher?
Vous êtes sérieux? Non, mais non, mais attends. Allô? Oh non, le bug de la mort qui tue. Attends. Mais non, mais je veux bien. Oh! Non, 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 non. Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Oh non, ils étaient trop beaux. Et ben voilà, un des bugs du jeu qui peut arriver. Alors du coup, je peux même pas taper dans le rocher parce que ça c'est du décor. Hein. Ça c'est du décor. Je peux même pas accéder à leur inventaire. Sa mère! Bah ouais. Oh là là! On va attendre qu'il se réveille, peut-être que je pourrais faire quelque chose. On va aller essayer, hein. Peut-être qu'un beau jour, peut-être un jour, oui. Oh oui, un jour. Donc du coup, on a du soufre et du gaz condensé. Alors bien ce qu'on en fout. Il y a toujours moyen de faire des trucs avec ce qu'on récupère. Hein. Oh mais le soufre, je crois que c'est si, c'était un truc cool, c'était pour le carburant, je crois. C'était beaucoup plus efficace, il me semble. Ouais, tu mettais du soufre dans la grande forge et tu obtenais plus de bidons, un truc comme ça. Je crois qu'il y avait juste besoin de mettre du soufre et hop, c'était des bidons directs derrière. À vérifier, mais je crois que c'est un délire comme ça. Par contre, ce qui m'a fait délirer, c'est le petit frise quand même, hein. Le petit frise qu'on a eu tout à l'heure, ça indique que normalement il y a une grotte, hein, quelque chose. Hein. C'est pas très très naturel. Et ça c'est quoi comme... Ouais, ça c'est juste du métal. Ah non, c'est du soufre aussi. Sauf qu'il y a de la pierre dedans. Oh là là. Eh ben le coin soufre, voilà. Ah, ça y est, je suis trop full. Ok, il doit y avoir de la caillasse à virer de toute façon, déjà. Eh ben, j'ai des belles choses à ramener au camp, hein. C'est moi qui vous le dis. On souffle du coup, j'en ai pas mal. Et on pourra revenir en chercher. Pareil, la bidoche, j'avoue que j'en ai beaucoup là, je pense. Ah oh, oui. On va pouvoir aller se resservir un peu. Hop. Ah ouais, dans ces caillasses là, il y en a masse. Encore plus que dans les trucs qui traînent à côté. Par contre, oui, il y en a plusieurs des colonnes. Faut pas que je me perde avec mon terreau. Si t'es là, mon pépère. Après, pour revenir à la maison, c'est chaud. Ah, mais attends, je suis toujours avec mes palmes, moi. Faudrait que je les répare au camp, d'ailleurs. Pas plus grand-chose. Et l'autre, il est arrivé en bas. Oh, c'est un carnotaur de médailles, il va me faire chier. Allez, dis-moi qu'il y a un truc cool. Oh, ouais. Les narcos. 2 secondes, je suis à toi. Je suis à toi tout de suite. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Ne nous énervons pas. Voilà, ça dégage. Je fais une insolation, carrément. Ah ouais. Voilà, ça va mieux déjà. Non mais c'est clair, il y a une grotte dans le coin. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Là-bas, on a une cascade. Je pourrais y jeter un œil.
pas s'il y a un truc derrière de planqué, mais je me demande, hein. Je me demande. Non. Je me demande plus. Sous l'eau, peut-être? Ouais, à fouiller le petit coin là. Hop, 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 ça aussi, ça se prend. Attends. Calmons-nous. J'aurais aimé que tu te poses juste au-dessus. Voilà. C'est mieux que ça. Cinq, youhou! Ouais, encore, encore, encore et toujours. Je m'éloigne, voilà. Vous énervez pas, tout va bien se passer. Ah, mais comment on a pu passer à côté de ça sur cette île-là? C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, c'est bien voyant. C'est juste de l'argent de Thalys, ça. On peut trisser. Je regarde s'il n'y a pas d'autres T-Rex hein, qui se baladent. Sauf le nôtre, qui doit être quelque part. Sans j'ai noté ses coordonnées aussi. Oh la vache, c'est quoi ça? Non? Deux? Diou? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est pas un titanoboa ça? Carrément pas! C'est sorti de la terre! Oh, où est-ce que je peux me poser pour essayer d'endormir cette saloperie là? Qu'est-ce que c'est que ce strum? Ah pardon, tu lâches une pêche. Je te laisse faire. Ben, on va essayer de se la choper. Hein. Allez, hop, le fusil. Waouh. Faut que je lui en foute combien? Si ça se trouve, on peut pas l'endormir. Il fait pas dodo, hein. C'est chaud. Je sais pas ce que c'est que cette bête. J'ai presque envie de la buter pour savoir ce que c'est, mais... Ça m'emmerde un peu. Là, il faut augmenter ma torpeur, j'ai peur de me retrouver endormi. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. De toute façon, il reviendra. Hein. Allez, mon pépère, à toi de jouer. Un basilic. Littéralement un basilic, incroyable. Putain! Bon, de toute façon, ça me fera le premier trophée. Oh! Non! 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 Je pensais pas qu'il l'avait touché. Oh la chiasse! La chiasse! Du coup, c'est toi qui l'as becté là? Le basilic ou c'est moi qui ai récupéré son trophée là? Parce que c'est clair et net qu'il y a un trophée à la clé là, là faut pas se leurrer. Ça m'étonnerait que ce soit ça, ça c'est des griffes à l'argent de ta vie, je vais les prendre quand même. Qu'est-ce qui pourrait ressembler à un truc de basilic?
Alors, ce serait Chimwen. Attends, c'est une blague. C'est un putain de basilic, les gars. Oh! Qui a un trophée à la clé, c'est obligatoire. Je vois pas, je vois rien. Je vois rien. Y a pas un petit sac qui traîne quelque part? Oh putain. Bon, on sait qu'il y a du basilic. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, la mauvaise, c'est qu'il t'endort en 2-2. Top, ma torpeur est redescendue, ça va. Eh ben. Ah mais quand j'ai vu le machin sortir de terre, je me suis dit, mais c'est gigantesque, c'est quoi ce truc? C'est juste un basilic. Créature mythique, encore une. Et du coup, je ferais bien de noter aussi encore les coordonnées pour y retourner plus tard. On est pile au bon endroit. Je pense pas qu'on puisse monter sur un basilic, je sais pas. Je suis en train de rêver là un petit peu. Je crois pas avoir vu de sel de basilic, ou alors c'est moi qui m'abuse. Bon, allez, hop, coordonnées. Zao. Mon petit carnet à la Indy. Alors, basilic. Voyons. Soixante-quatorze, six. Slash 85-4. En plus, je pensais pas faire de grosses découvertes ce soir, vu qu'on a déjà fait cette île-là. Mais on l'a pas fait en long, en large et en travers. C'est clair. Bon, t'en es où, toi? La moitié. On va prendre notre gun au cas où. Il faut qu'il y aura un autre basique. Ouais, ça, juste à côté, en plus, encore des trucs de soufre là. Quand il y a du soufre, il y a du plaisir, hein. Enfin, du futur plaisir, si on a réussi à Madwist Stobate. À mon avis, ça doit être costaud. Hein. Je vais essayer de prendre un peu de hauteur. Ah, tu peux le faire. Coucou toi. Normalement deux ça suffit. Voilà. Oh, il est beau, il est tout rouge. J'adore. Et toi, on peut accéder à ton inventaire, ça fait plaisir. Pourquoi la musique s'accélère encore? C'est bon? Ça se calme? Oh bah du coup, hop, on va se faire une petite déco. Et comme ça va prendre un petit peu de temps, allez, j'arrête la vidéo là-dessus et on se retrouve tout de suite quand tout le monde est réveillé. Tchuss!